m'installer, j'avais fait, voilà, je me suis questionné sur l'agriculture et l'agriculture que je connaissais autour de moi ne me convenait pas. Mais je ne savais pas en fait ce que j'allais faire lorsque je me suis installé ici. Juste avant mon installation, j'ai eu l'occasion de faire un stage sur une ferme, qui était une ferme bio en fait, où j'ai découvert l'agriculture biologique et bien plus, hein, c'est ce que je dis souvent. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être une réponse à ce que je cherchais. Donc, j'ai commencé à convertir voilà, cette ferme. Alors, c'est une ferme céréalière, il n'y a pas d'élevage. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer tout ça? Parce que moi, je ne me reconnaissais pas dans ma coopérative qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Champagne Céréale, qui vient de fusionner avec une autre coopérative, qui devient les numéros 1 ou 2 européens. Où il y a une trentaine de sociétés et filiales à l'intérieur de la boutique, où on est 15 000 clients et adhérents tout confondus. Et la question que j'avais envie de poser il n'y a pas très longtemps à cet AG constitutif, mais j'avais autre chose à faire, j'ai étudié ailleurs, c'était à quoi ça sert tout ça. Parce qu'effectivement, dans cette question, quel mode d'organisation des producteurs pour accompagner le changement d'échelle de l'agriculture biologique et permettre une économie agroalimentaire relocalisée, durable et équitable, eh bien, il y avait effectivement, est-ce qu'on a besoin d'être aussi gros et de peser autant dans la balance pour faire quelque chose? Moi, quand on parle de relocalisation, j'ai tendance à penser d'une relocalisation peut-être régionale, où finalement les paysans ne sont pas déjà les seuls à discuter des affaires agricoles, et en fait tout le monde serait mis autour de la table, alors peut-être autour du conseil régional, ça c'était une idée comme ça pour utiliser ce qui se passe aujourd'hui, et puis de dire voilà quel modèle on peut mettre en place qui soit relocalisé. Donc relocalisé pour moi c'est une production en local, peut-être une transformation en local et puis une commercialisation en local. Effectivement on parlait tout à l'heure de régions qui sont spécialisées aujourd'hui parce qu'on s'est spécialisé pour importer dans différents pays ou dans différentes régions. Et moi, je pense que chaque région a ce potentiel de production, et puis qu'il est certainement possible que simplement le jour où on parlera d'exportation, on exportera dans une autre région, en tout cas dans un premier temps, qui serait des échanges, et ça permettrait de redéfinir une agriculture qui serait pour moi plus sereine. Après, sur l'aspect du durable, c'est vrai que je suis jeune paysan, je découvre tout un tas de choses, on me pose aussi beaucoup de questions. Et puis du coup, je me suis attelé au mot durable. C'était la première fois que j'allais chercher, donc j'ai tapé dans mon moteur de recherche durable. Et puis donc j'ai trouvé plein de choses. Je cherchais surtout sur l'économie durable. Finalement, je suis tombé plutôt sur le développement durable, ce qui est en rapport. Parce qu'en fait, dans notre question, on avait mis durable et équitable. Je me suis aperçu finalement, dans le mot durable, alors je vais prendre la définition... pour qu'on soit tous d'accord sur le sujet dont je parle, qui se veut un processus de développement qui concilie l'écologie, l'économie et le social, établit un cercle vertueux entre ces trois pôles. C'est un développement économiquement efficace, socialement équitable, écologiquement soutenable, qui est respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l'efficacité économique sans perdre de vue les finalités sociales du développement, que sont la lutte contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre l'exclusion et la recherche de l'équité. Donc finalement, l'équitable, on l'a dans le durable. Et c'est vrai que je pense qu'on avait voulu mettre ça en point parce que c'est quelque chose qui nous semble important et aussi prioritaire dans la réflexion. Donc l'idée que j'avais, en fait, c'était de dire, si on prend ces quatre piliers, parce que finalement il y en a quatre, qui sont de dire ben, l'environnement, bien sûr, l'agriculteur biologique aujourd'hui ben, a compris que l'environnement jouait un rôle autour de nous et qu'on ne pouvait pas faire sans et qu'il fallait faire avec, et puis surtout le respecter. Ensuite, la partie sociale, effectivement, avec la structuration des fermes. Quand je me suis installé, moi, en 2008, dans la Marne, on m'avait dit, en dessous de 80 hectares, mes fermes, c'est pas viable. Voilà, ça, c'est ce que me donnaient comme élément les centres de gestion. Alors, bien sûr, on est dans une ferme conventionnelle ou industrielle, peu importe le terme. Et c'est vrai qu'à travers justement ce réseau de paysans bio, moi j'ai découvert que, une ouverture que je ne connaissais pas. Et puis je me suis dit, en fait, avec 80 hectares, parfois on peut faire beaucoup de choses, et beaucoup plus qu'on imagine aujourd'hui. Et que si finalement des fermes font 300 hectares chez nous, c'est très courant, ou 600, 700 ou 1000, comme c'est le cas aujourd'hui, où on dit que finalement la seule façon d'arriver à s'en sortir, c'est de grossir, d'être encore plus gros et d'avoir encore plus d'hectares pour arriver à gagner un minimum par hectare pour pouvoir arriver à survivre. Et moi, je trouve que c'est pas mon objectif,
Je trouve que cet objectif-là, il n'est pas réaliste, et je trouve de toute façon qu'une économie qui compte sur une progression de X% par an, ad vitam aeternam, voilà, c'est aller dans le mur. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser des bonnes questions. Et puis après, il y a la question du social, qui passe toujours souvent en dernier, surtout quand l'économie prime. Mais là, dans le social, eh bien, je pense que l'agriculture biologique a aussi des réponses sur le fait que si on relocalise l'agriculture, moi j'estime que les fermes doivent être des fermes plurielles, c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités, alors des activités différentes sur qui peuvent être des activités effectivement de grande production, de maraîchage et d'élevage et autres, ou des choses mélangées, peut-être des activités de transformation, peut-être des activités et ou de commercialisation. Et puis ça veut dire que ça va permettre d'embaucher des gens sur des fermes. Donc ça veut dire que le local, on va le respecter. On aura des emplois qui ne seront pas délocalisables. On va remettre de la vie dans ces milieux ruraux qui deviennent désertiques aujourd'hui. Et donc je pense que par rapport à ça, on a aussi un rôle à jouer et on peut jouer un rôle. Et après, sur la gouvernance, je voulais revenir dessus, c'était effectivement de dire bah, c'est pas les producteurs tout seuls qui vont réaliser tout ça, bien entendu. Moi je pense qu'effectivement la gouvernance se fait par l'État, par les conseils de gestion, etc. Et je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire pour que cette, on va dire, nous on a un réseau de paysans par exemple avec des gars qui sont en département, des frères en région, et puis notre réseau national. Et ça serait quand même bon que ce soit le national qui décide de tout ce qui se passe dans les régions, alors que finalement il faut qu'il y ait un échange entre les deux. Et je pense que peut-être autour des conseils régionaux, il y a certainement tous les acteurs peut-être à mettre autour de la table, que ce soit les transformateurs, les paysans, les citoyens et autres, pour construire ce nouveau modèle régionalisé. Alors j'ai pris l'échelle de la région parce que c'est vrai qu'habituellement, quand je réfléchis à ce qu'on pourrait faire, c'est comme s'il n'existait rien. Comme ça, je ne prends pas quelque chose qui existe déjà à vouloir transformer, parce que je trouve que des fois, c'est trop compliqué. Mais là, comme j'étais un petit peu léger sur cette histoire-là, j'ai pris la région telle qu'on les connaît aujourd'hui et le conseil régional, parce que je trouvais que l'idée était très bonne dans la mesure où les gens du conseil régional, que je rencontre régulièrement, sont accessibles. Ça veut dire qu'on peut se mettre autour de la table, on connaît les gens, on connaît le territoire, avec ses histoires, avec tout ce qu'il y a eu, et donc je pense que ça donne aux gens en fait une idée plus facilement réalisable sur les choses que l'on peut mettre en place chez nous ou ce que l'on peut pas mettre. Voilà. Alors pourquoi en fait avoir réfléchi à tout ça? Donc je vous ai parlé de l'installation tout à l'heure. Bon, chez nous de toute façon toutes les terres qui sont vendables vont à l'agrandissement. Le foncier aujourd'hui devient un élément de spéculation et pas un élément pour vivre. Quelqu'un qui achète des terres à 20 ou 25 000 euros, une fois qu'il a remboursé ses crédits, ne peut pas vivre. Donc la question elle est tout de suite réglée de ce côté-là. Il y a aussi en France des paysans qui gagnent moins de 1 000 euros par mois et je trouve ça inacceptable. Le rapport entre le revenu et le travail n'existe plus aujourd'hui. L'installation est en diminution permanente. Et puis, effectivement, on parlait des coopératives tout à l'heure. Bon, je vous ai parlé de la mienne. Et aujourd'hui, ces coopératives sont des groupes agro-industriels qui sont pour moi complètement déconnectés de la réalité du paysan au quotidien. Et là, il y a quelque chose, il y a une fracture, je pense, qui est là. Par contre, je pense aussi une chose, c'est qu'effectivement, les agricultures bio ont quelque chose ont un rôle à jouer. Mais par contre, moi, dans ma philosophie, je n'ai pas envie d'imposer un système à quelqu'un. J'ai envie de le partager, j'ai envie d'en discuter, j'ai envie de savoir comment on peut faire. Mais je me dis qu'il y aura autre chose qui va exister, il n'y a pas qu'un nouveau. Enfin, je veux pas que, enfin, selon moi, l'agriculture biologique ou les agricultures biologiques, je n'ai pas envie de créer un système et de dire aux autres, voilà, ça c'est notre système, il marche, c'est génial, il faut le prendre, sinon vous êtes tous des cons. Alors, en gros, le raisonnement, et je pense qu'il n'est pas là. Donc je pense que dans l'avenir, il y aura différentes façons de voir les choses et que ces différentes façons pourront s'exprimer certainement différemment, sachant que moi, effectivement, j'en ai privilégié une aujourd'hui et je vais essayer d'aller dans ce sens-là, on va dire, sur ma ferme et autour de moi.